en question. Is there a technical issue with the interpretation, please, Chair? Il y a un problème technique avec l'interprétation. We didn't have a translation of the first part. The court is now in session. Today, the chamber will hear testimony of a witness that is through TCW 900 in relation to Okansai Security Center via a video link. There is a video link from this chamber to the witness who is in Udomintje province. Et la province de Udomintje, où se trouve le témoin. Mr. M. Hoy, please record the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Greffier, Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present. Sont aujourd'hui présentes. Madame Doulvelet, the standby counsel for the accused, who will be a little bit late. Mr. Nunchi is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. A witness who is to testify today, that is to TCW 900, will testify from Onlongwe district, Udomintje province. The witness confirms that through his best knowledge, he has no relationship by blood or by law to any other two accused. There is Nunchi and Kyu Somphone, or to any of the civil parties admitted in this case. The witness took an oath le témoin a prêté already, and he has Mom Rati as a duty counsel, and the AV unit personnel informs the chamber that the video link setup has been done, la chambre que la liaison par and the witness is ready to testify by a video link. A témoigner par liaison vidéo. Je vous remercie. President, thank you, le Président, Mr. M. Hoy. Merci, Monsieur the chamber now decides on the request by Nunchia. The chamber has received a waiver from Nunchia, dated 21 March 2016, which states that due to his health, that is headache, back pain, de santé, he cannot sit or concentrate for long, et des difficultés de concentration. And in order to effectively participate in future hearings, he requests to his right to be present at the 21st March 2016 hearing. He advises that his counsel advised him about the consequence of this waiver, that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be tried fairly or to challenge evidence presented to or admitted by this court at any time during this trial. Having seen the medical report of Nunchi by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 21st March 2016, which notes that
dans lequel le médecin indique que le chien souffre de maux de dos chroniques et lorsqu'il demeure longtemps assis, souffre d'étourdissement et recommande à la chambre de permettre à Nuncia de suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol à distance. Par ses motifs et en application de l'article 81.5 du règlement intérieur de CITC, la chambre fait droit à la requête de Nuncia. L'autorisant ainsi à suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol par voie audiovisuelle. La régie a prié de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nuncia puisse suivre l'audience, et cette mesure est valable toute la journée. Avant de passer à la déposition du témoin de DCW-900, par vidéoconférence, la Chambre va rendre une ordonnance orale relative à la requête du procureur international relativement à l'interrogatoire de ce témoin. Ensuite, elle entendra les réponses des parties relatives aux observations du procureur de faire comparaître deux témoins supplémentaires en rapport au Centre de sécurité de Phnom Krahul. La Chambre va maintenant rendre son ordonnance orale, sa décision orale, relativement à la requête du procureur, document 1319-23.3.5. The trial chamber is seized of A319/36. Elle saisit du document E319/36, la requête du procureur international, additional written records of interview. De 95 procès-verbaux d'audition supplémentaires, ceci inclut le procès-verbal d'audition de TCW-900, le témoin d'aujourd'hui. Je vous renvoie à la page 48 de ce document E319/36.2. Vu l'utilité éventuelle de ce document pour la procédure d'aujourd'hui, the trial chamber hereby makes a partial ruling and admits to TCW-900's written record of interview, that is document E319/23.5, into evidence, and assigns it document number E3/97/34. Written reasons for this ruling and on les motifs the remaining request qui, of E319/36 will follow in due course. E319/36/36 suivront en temps opportun. The chamber will now hear responses from parties to the request by the co-prosecutor à la demande du co-procureur ou des co-procureurs visant à entendre des témoins supplémentaires en rapport avec le centre de sécurité de Phnom Krahul. C'est le document E390. Le 16 mars 2016, le co-procureur filed a submission to the trial chamber une requête devant la chambre de première instance visant à appeler des témoins supplémentaires, à savoir deux TCW-1017 pour remplacer les témoins décédés en rapport avec le centre de sécurité de Phnom Krahul. For that reason, the chamber intends to hear oral responses by parties in relation to this submission. Les réponses orales des parties. So that the chamber can use it as a basis for our decision whether to hear these two additional witnesses or not. Relative à l'admission ou non de ces deux témoins supplémentaires. And I'd like to first hand the floor to the co-prosecutor to reiterate their submission that they filed on 16 March 2016. Leurs observations le 16 mars 2016. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, honorable juge. Bonjour, Monsieur le Conseil. Les conseils. Je serai très bref. Nous avons déposé cette requête
for an obvious reason, et pour des raisons évidentes, last month, when the, witnesses le mois dernier, were announced for this segment, lorsque les témoins the trial chamber and the parties were informed by Wesso that three of the six pour, witnesses that had been proposed for the segment by cours, the co-prosecutors la chambre a été informée had been determined to be deceased. Des témoins qui devraient intervenir so pour ce segment we started a process of trois des six témoins. And reviewing from scratch the réexaminer the available witnesses for this segment. Les témoins disponibles pour ce segment. A number of other people who were potential substitutes are also et un certain nombre de personnes qui pouvaient être des substituts éventuels sont également décédées. This crime site involves, cette requête est importante car les crimes ont été commis à plusieurs endroits différents où les prisonniers étaient détenus. Heard, les deux détenus, comme nous avons entendu, this, étaient déjà détenus office, au bureau du secteur. Et faisait partie d'un groupe de 80 personnes et qui avaient été arrêtées lors des secondes purges. Les allégations incluent également des prisons plus importantes qui étaient utilisées comme des bureaux de sécurité du centre. Les témoins décédés que nous avons proposés étaient des anciens détenus de ces centres de sécurité. Ils sont à présent décédés. Les autres témoins identifiés et interviewés par le bureau des cours, le juge d'instruction, et qui étaient détenus dans le grand bureau de sécurité, sont également décédés. Malheureusement, nous avons examiné les parties civiles. Un certain nombre d'entre eux ont été décédés. Les co-avocats principaux nous ont dit qu'il n'y avait qu'une seule partie civile sur ce groupe qui a été identifié et qui est en vie. Et c'est celle que nous proposons. C'est le 2TCCP 2TCW17. C'est un ancien soldat de la division 920. D'après son témoignage, ce centre de sécurité avait été utilisé pour les exécutions et les purges. Un autre remplacement que nous proposons, c'est la sœur d'un témoin que la Chambre a décidé de rappeler. And we propose in the process of going through all the witnesses at the site, en examinant tous les témoins relatifs à ce site, il ressort que cette sœur peut donner davantage d'informations par rapport au frère qui travaillait au bureau de télégramme du secteur. Nous avons exposé les motifs relatifs dans notre requête. Elle avait 5 ou 8 ans de plus que son frère. Et de plus, elle avait un poste dans l'unité militaire du secteur en 1977. C'est l'unité militaire du secteur qui était responsable du secteur de sécurité de Phnom Kraul. Pour ces motifs, et vu la situation unique qui veut que un tiers ou la moitié de nos témoins sont décédés, nous proposons ces remplacements. Le Président, je vous remercie. Le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste thank une you, clarification Mr. President, pour être bien sûr qu'on nous soyons d'accord. Like the co-prosecutor to clarify something to be sure that I've understood you correctly. Vous souhaitez la comparution est une partie civile. Two witnesses peut-être changer le pseudonyme you are qui lui a été attribué, puisqu'il me semble que c'est un pseudonyme en TC. Are they civil parties? Because I see one is 2TCW and another 2TCCP. Is there any civil party among these witnesses? One of them is a civil party. The one l'un des témoins est une partie civile. A detainee from the prison. C'est un détenu qui a survécu a witness, à la prison. Who worked at the, et un autre des témoins proposés, c'est la fille du secrétaire de secteur et qui travaillait au bureau de secteur. Je vais présent passer la parole aux co-avocats principaux pour les parties civiles.
pour présenter leurs observations en réponse à la demande des coprocureurs. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président, honorable juge, bonjour. Bonjour à toutes les parties et personnes présentes à l'audience. Les co-avocats principaux ne font pas objection à la demande faite par les coprocureurs, étant donné que les deux témoins disposent d'informations relatives au centre de sécurité à Cognier. That particular civil party, en ce qui concerne cette partie civile en particulier, nous l'avons rencontrée hier et la partie civile confirme qu'elle est à même de déposer. President, thank you. And I'd like now to hand the floor to the co-defense teams. First, merci, Monsieur le Président. Nous allons passer la parole aux équipes de défense, en commençant par celle de Nunchia, pour faire ses observations en réponse à la requête des coprocureurs. Vous avez la parole, maître. Thank you, Mr. President. Conseil de la Défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable juge. Merci à toutes les parties. Je serai bref. En principe, nous n'avons aucune objection à la demande formulée par les coprocureurs. Toutefois, je constate que dans la requête écrite au paragraphe 4, il est dit that the co-prosecutor's que request les coprocureurs to TCW 2017 demande either in lieu or in d'appeler le témoin 2017 to her brother. En lieu et place ou en remplacement de son frère. Maintenant, j'entends le terme témoin en remplacement, témoin substitut. Nous estimons qu'il est de l'intérêt de la défense de faire comparaître son frère. Je sais qu'il a déjà comparu auparavant. Il a témoigné devant cette chambre, mais nous avons des questions supplémentaires que nous aimerions lui poser. Je ne sais pas pourquoi l'on parle maintenant de substitut au paragraphe 4. Nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir tant le frère que la sœur pour témoigner devant la présente chambre. Ma deuxième observation n'a rien à voir avec cette requête en particulier. J'aimerais informer la chambre. Que nous sommes en train de préparer notre requête sur le fondement de l'article 87. Où nous demandons l'admission d'un témoin en relation avec le centre de sécurité de Plum Crawl. Notre requête est pratiquement prête. Nous comptons envoyer une copie de courtoisie pendant la journée et peut-être la Chambre aimerait s'y pencher au même moment auquel statue sur la requête du procureur. Sinon, nous pourrons déposer en bonne et due forme ultérieurement la requête en question. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Thank you, Mr. Bonjour President. À tous. Good morning. Du côté Good de la défense everyone. De Que Sampan, oui, de Que Sampan cela va être un autre son de cloche. Nous nous opposons sur le principe à cette requête 87-4 en comparution de nouveaux témoins. Et cela pour plusieurs raisons. Il faut que je fasse tout d'abord des observations générales sur le caractère tardif de la demande. Alors j'entends aujourd'hui les explications de M. le coprocureur international qui nous indique que suite à la décision de la Chambre et à la liste de la Chambre du 5 février 2016, ils sont allés revoir la matière sur Phnom Krout. Il n'empêche que l'agenda et le déroulement au niveau temporel de la demande de l'accusation n'est pas anodin. 5 février 2016, il y a la nouvelle liste, et ce n'est que le 16 mars 2016 que l'on fait cette demande. Cette demande intervient alors que le segment sur Phnom Krout a déjà commencé.
the segment on puisque c'est le 2, 3 et 7 mars que les deux premiers témoins ont été entendus. Et si je m'attarde sur ce déroulement et cette séquence des faits, c'est que ce n'est pas la première fois que l'accusation fait des demandes en cours de segment, à savoir quand il y a déjà des témoins qui ont comparu et que, et c'est comme ça que du côté de la défense de Clessampan, on le ressent en tout cas, il y a une volonté d'ajuster des choses par rapport à ce qui est dit à l'audience. Parce que si le fait que des témoins étaient soient décédés était le point central de la volonté de comparution de nouveaux témoins de l'accusation, ils auraient pu faire ces demandes avant le début du segment, ce qui n'a pas été fait. Je rappelle que cela a été fait également dans le cadre du traitement des CHAM, une nouvelle requête en comparution de témoins E-366 avait été déposée. De la même façon, pour le traitement des Vietnamiens, deux autres requêtes avaient été déposées, E-381 et E-382. Pourquoi je prends ces exemples? C'est parce que, et nous l'avons déjà dit devant cette chambre, le principe de la règle 87.4 est censé être un principe exceptionnel. On demande la comparution de nouveaux témoins qu'on ne pouvait pas identifier auparavant ou qui ont des éléments particulièrement importants et qu'on ne pouvait pas déterminer auparavant. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Encore une fois, dès le 5 février 2016, l'accusation savait quels étaient les témoins que la Chambre devait entendre sur ce segment. Et nous ne voulons pas que cette façon de demander des témoins en cours de segment devienne une habitude, parce que du côté de la défense, cela pose de vrais problèmes pratiques en termes de préparation. Je rappelle, et nous avons l'exemple aujourd'hui, vous avez un coprocureur qui va répondre à la requête, un autre coprocureur qui va interroger le témoin, et nous, au niveau de la défense, nous sommes les mêmes qui faisons les requêtes, qui posons les réponses aux requêtes et qui sommes à l'audience pour interroger l'intégralité des témoins. Dans ces conditions, instaurer cette pratique de demande de dernière minute de comparution des témoins en cours de segment doit être une pratique qui doit cesser. C'est un problème de préparation, c'est un problème d'égalité des armes. Dans le cadre d'une préparation à flux tendu de l'audience, vous êtes aux premières loges pour le savoir. Nous avons un délai moyen de 4 semaines entre le moment où nous savons quelles sont les personnes, les témoins qui sont envisagés par la Chambre pour un segment, tout en étant en même temps dans les audiences concernant d'autres segments. Il y a des bouleversements de planning qui sont indépendants, évidemment, de la volonté de la Chambre par rapport à la disponibilité des témoins. Et la multiplication de ces requêtes 87.4 de dernière minute pose de graves problèmes de préparation. Sans compter que parfois, et ça nous l'avons vu avec l'exemple du témoin In Young, on nous annonce des témoins de la plus grande importance et finalement on se retrouve à une audience où on ne sait plus trop exactement pourquoi cette personne a été appelée. J'appuie d'autant plus sur ce point-là que nous constatons que ces derniers temps, les demandes 87.4 des coprocureurs sont quasiment systématiquement accueillies par la Chambre, sachant que, bien évidemment, il s'agit de preuves a priori à charge, alors que nous, de notre côté, nous avons déposé une demande simplement de 7 témoins sur lesquels la Chambre ne s'est toujours pas prononcée, a priori, alors que nous avons des témoins qui, c'est vrai, s'ils peuvent, a priori, déposer sur plusieurs segments, ont des choses à dire sur des segments qui se sont écoulés, que ce soit sur les CHAM ou que ce soit sur les Vietnamiens. Or, nous constatons qu'a priori,
et ça a été le cas, a priori, pour le dernier expert, la Chambre en a l'air d'accueillir que les témoins qui sont a priori, qui peuvent être a priori considérés comme à charge. Maintenant, plus précisément sur les deux, enfin, le nouveau témoin et la partie civile que les coprocureurs veulent faire appeler devant la Chambre. Sur le premier, sur le témoin, je n'ai pas bien noté le nouveau pseudonyme. Je crois que c'est 2TCW 2017. Je vais appeler la sœur d'un autre témoin. Je ne comprends pas bien à la lecture de ces procès-verbaux en quoi ce témoin pourra avoir des éléments particuliers sur le centre de sécurité de Phnom Kraul. Premièrement, ce témoin n'a pas travaillé au centre de sécurité de Phnom Kraul lorsque ce centre était un centre de sécurité. Elle y a travaillé a priori, si je relis ces déclarations, en 1974, bien avant, lorsque le bureau était encore un bureau de secteur. Le fait qu'elle appartienne à un bataillon féminin qui n'a rien à voir avec Phnom Kraul ne saurait suffire à la faire déposer sur ce point. Ensuite, elle ne parle dans les procès-verbaux que nous avons à disposition, ni de purge, ni de sécurité, ni de Vietnamiens, ni de Cham. Dans ces conditions, je ne vois pas en quoi son témoignage pourrait apporter des éléments sur le fonctionnement de Phnom Kraul, du centre de sécurité, encore une fois, dans lequel elle n'a pas travaillé. Pour nous, cela constituerait une perte de temps et j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que les coprocureurs sont insatisfaits de la preuve qu'ils ont entendu qu'on doit prolonger indéfiniment les procédures pour que, appeler en espérant d'avoir encore plus d'éléments à décharge, qu'on puisse appeler en cours de segment de nouveaux témoins sans justification particulière. Et là, en l'occurrence, pour ce témoin, sur Phnom Kraul, je ne vois pas, en fonction de ce qui apparaît dans ces déclarations, ce qui pourrait être utile à la manifestation de la vérité. En ce qui concerne la partie civile, nous avons un ancien soldat d'une division, mais dans le cadre de sa déclaration, certes succincte, puisque c'est une déclaration de partie civile qui n'est pas extrêmement complète, mais la mention du centre de sécurité de Phnom Kraul ne se situe à aucun moment dans cette déclaration. Donc là encore, je ne vois pas en quoi ce témoignage pourrait apporter un éclairage particulier à la Chambre dans le cadre exceptionnel de la règle 87.4, et là j'insiste dessus. La règle 87.4, c'est lorsqu'il y a des événements exceptionnels et qu'on ne pourrait pas avoir autrement cette preuve. Et quand il n'y a pas de lien précis entre ce que disent les nouveaux témoins ou parties civiles réclamées par les coprocureurs et les dépositions des témoins décédés qui devaient à survenir, moi je vois que ce n'est pas pour remplacer, mais que c'est en addition et que l'on demande de la preuve supplémentaire, non pas en remplacement comme la Chambre l'avait envisagé, mais de la preuve additionnelle qui permet à l'accusation de prolonger indéfiniment la procédure. Dans ces conditions, je vous demande bien évidemment de rejeter la demande des coprocureurs en rappelant encore une fois que le segment a déjà commencé et que la demande est tardive. Segment has already started and the application is rather tardy. President, thank you. And lastly, the floor is now given to the co-prosecutors to submit their reply to the responses of the defense teams. You have the floor now. Thank you, Mr. President. First, merci, Monsieur le Président. In response to the, pour répondre tout d'abord the Nun Chia team, aux observations de la défense de Nun Chia, when I say we propose these as substitutes, j'ai dit
qu'il s'agissait de témoins remplaçants, ce sont des remplaçants des gens décédés. Notre position n'a pas changé. Dans le cas de la sœur, elle pourrait être citée à comparaître à la place de ou en plus de l'autre personne. Pas d'inconvénient non plus à ce que le frère soit cité à comparaître. Notre position donc n'a pas changé. Nous proposons des remplaçants dans le cas des personnes décédées. Et nous n'avons aucune objection si la Chambre souhaite entendre tant le frère que la sœur. Pour à présent réagir à l'argument de la défense de Kyu Sampan, la défense laisse entendre que notre document intervient tardivement parce qu'il a fallu un mois pour se référer au dossier. Il s'agit d'un secteur complexe. Quand on lit les PV d'audition, il faut bien voir, et cela prend du temps, de quel centre de détention viennent telles ou telles personnes, tel ou tel témoin. En outre, quant au fait que le segment a déjà commencé, si le segment a déjà commencé, c'est uniquement parce que les deux premiers témoins ont vu changer leur ordre de priorité. Ils se sont retrouvés en haut de la liste, notamment parce que la défense de Kyu Sampan a demandé un report pour entendre les dépositions de l'expert Osman. Il y a eu aussi des problèmes de santé affectant d'autres témoins. Cela dit, nous en sommes toujours à la fin du segment Cham avec Osman, les témoignages sur Okan Seng également. Et si nous avons entendu un témoin sur Phnom Kraul, c'est eu égard à la situation unique liée à l'organisation des audiences. Il n'est donc pas correct de dire que cette requête intervient tardivement. Et il y a un problème bien réel qui se pose, c'est que la moitié des témoins que nous proposions sont décédés. In response to this position that only the co-prosecutors are making requests, 87-4 requests, and you're only considering la that, that's completely défense false. Laisse entendre que seules les demandes de l'accusation au motif de la règle 87.4 sont retenues. C'est faux, la défense de Nuancha a également présenté des requêtes. Les deux équipes de défense présentent souvent des requêtes une journée avant la déposition d'un témoin ou d'un expert. Parfois, nous avons dû répondre le lendemain dans le prétoire. Nous sommes prêts à le faire. C'est un procès. Il y a des situations où il faut faire preuve de diligence. Donc, je le répète, c'est injuste d'insinuer que seule l'accusation dépose ses requêtes sur le fondement de la règle 87.4. Et il est faux de dire que la Chambre ne fait droit qu'à nos requêtes à nous. Dernier point. À présent, des choses ont été dites par la défense de Kyu Sampan sur ces deux témoins. La prison at which the civil party, two TCCP 1016, où deux TCCP 1016 a été détenu, et de toute évidence un centre de sécurité qui est décrit dans la demande de constitution de partie civile comme étant un centre de sécurité dans le district de Connect. Ça, c'est justement Phnom Kraul. C'est le seul bureau de sécurité qui soit près d'une montagne. C'est aussi le seul endroit où les soldats de la division 920 étaient détenus. Donc il ne fait aucun doute que cette personne peut déposer de façon pertinente dans le cadre de ce segment. Concernant la sœur à présent, de toute évidence, cette personne possède des éléments pertinents. La chambre elle-même a choisi d'entendre le frère, dont les connaissances portent surtout sur la supervision qu'existait le secteur
qu'exerçait le secteur sur le bureau de sécurité. La dame en question, le témoin, ne travaillait pas à l'intérieur de la prison, mais tous ces emplacements, les bureaux du secteur étaient séparés de quelques kilomètres à peine. Donc les gens qui étaient dans ces bureaux de secteur savaient comment fonctionnaient les opérations de sécurité. Et cela ressort des entretiens. Cette personne, cette dame, pourrait donner des informations sur les bureaux de sécurité, sur la supervision exercée par le secteur et sur également les rapports avec le centre, puisqu'elle a travaillé dans la section des télégrammes pendant un certain temps. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Deux mots de réponse très brièvement. Points, oui, c'est vrai. Yes, it's true. Du côté de la défense de Que Sampan et de la in défense de Yonchia, il y a eu des requêtes 87.4, mais simplement à chaque fois en réaction avec une demande 87.4 des procureurs, on ne peut pas nous reprocher de chercher de nouveaux éléments lorsque de nouveaux témoins arrivent et que nous n'avions pas un autre moyen d'anticiper la venue de ces nouveaux témoins. Appearance of these new witnesses. Now, concerning the civil party, je ne vois pas le terme, encore une fois, dans cette déclaration de Plum Crowell. Le seul lieu, enfin, le seul nom propre, a priori, qui est mentionné par cette partie civile est le nom de Olpeu, mais le nom de Plum Crowell ne se trouve absolument pas dans cette déclaration. Sur le reste, je me rapporte à mes dernières observations, mais simplement que nous ne devons pas nous reprocher de réagir à des demandes 87.4. Oui, quand on fait des demandes, on introduit des éléments nouveaux, il y a des chances que la défense soit aussi également obligée de rechercher des éléments nouveaux pour y répondre. President, le président, Mr. Co-Prosecutor, do you want to address your last observation? If not, l'accusation souhaite prendre la parole. The hearing of submissions si tel n'est pas of le the cas, co-prosecutor's request voilà and responses, au débat as well as the reply la to hear requête de l'accusation two TCP 1006 and two TCW. Et 2017 in replacement of other witness in relation to Phnom Krau Security Office has now come to an end. The Chamber is grateful to your submissions and responses as well as the replies, and this can form the basis for the Chamber to issue the decision in due course. Au moment de se prononcer en temps utile. Before we proceed to hear these witnesses in relation to that fact. Now the chamber continue à présent, start to hear two TCW 900 from one team in JB video link 900 qui dépose par vidéoconférence depuis rather. La province d'Odormenche. And since this witness is heard by the investigating judges in other cases, the chamber has informed party already in its memorandum, dans le cadre d'un autre dossier, document E 29/47 E 29/478/2, ou plutôt 478/2, la chambre group A. Que c'est un témoin among the three groups, so groupe please A. Refer to document E319/35, and the chamber requests that we should use 5. The pseudonym in order to protect the integrity and confidentiality of the investigation and also the security of par souci de confidentialité the witness. Pour garantir la sécurité du témoin. The chamber consider that this is an appropriate measure and is in accordance with the legal provisions aux dispositions légales pertinentes. This can also ensure the integrity and
publicity as well as the confidentiality of the investigation. Cela so the chamber again reminds parties to adhere to the instruction les parties sont as de se conformer aux indicated in document E319/7. Good morning, Mr. Nyam Somnang, the staff from WESU. You are now Monsieur coordinating du WESU, Nyam Somnang, this process. C'est vous via qui video vous occupez link de l'établissement du contact. Are you ready avec now? Le témoin. Monsieur, êtes-vous prêt? Good morning, Mr. President. Réponse. We are now ready. Oui, nous sommes prêts, Monsieur le Président. We are here together with the duty Je suis counsel. En compagnie également Thank you, de Mr. l'avocat Somnang. Du témoin. Le Président, merci, Monsieur Somnang. Mr. Witness. Monsieur le témoin. In the proceedings before the trial chamber and on the request of the co-investigating judges, the chamber will use your pseudonym to TCW 900 and votre pseudonym de TCW will also use your pseudonym or Mr. Witness. Votre pseudonym ou bien so vous please témoin. Be informed that the chamber will not allow parties to use your surname and first name within these proceedings. Mr. Witness, Monsieur le témoin, now the chamber would like to verify and would like you to confirm va vous demander de confirmer your identity in document E3/5605, Ian in Khmer 004841-43, English 004887-04, and French 004887-04. Mr. Mom, the Tier, the Duty Counsel, please Maître hand over that page of document E3/5605, which the greffier has prepared to the witness for examination. Particularly, please instruct the witness to read the highlighted points in relation to his name, birth of place, date of birth, lieu et date de naissance, occupation, et prénom, profession, and current address, as well as actuelle, names of parents and his wife. Des parents et de l'épouse du témoin. President, have you already examined that page of document? Monsieur le témoin, avez-vous examiné cette page? And the information indicated in that Les page of document qui y figure relates your name, porte your sur name, votre place nom, of birth, date of birth, nationality, date de naissance, occupation, nationalité, profession, names of your parents nom and your wife, des parents, and also de your votre current address. Et votre résidence actuelle. Is that information Est-ce que ces true informations or there, sont exactes? Is there anything incorrect in that document? Witness. Comporte-t-elle des erreurs? Good morning, Mr. President. I have Bonjour, examined the information in J'ai that page of document. Ces données à la page en question. So my name, together with other information, is correct. Ces informations sont correctes. President, thank you. Le président. Merci. Mr. Witness, to the best of your knowledge and also in the Monsieur report of the greffier, you have no relationship by blood or by law to any of the two accused, Nunchi and Kyu Songpon, or to any of the civil parties admitted in this case. Is that a report correct? Answer, yes, that is correct. Réponse, oui. President, thank you. Le président. The greffier also made a report that you took a note in accordance with your religion via video link as well from your location. Is that report also correct? And have you already taken a note? Avez-vous bel et bien prêté serment? Yes, I have already Réponse taken a note, oui. And it is true what is stated in that report.
President, thank you, Mr. Witness. I am now informing of your rights and obligations as a witness before the chamber. Your rights as a witness in the proceedings before the chamber. You may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. Si vous pensez que ces propos pourraient your right against self-incrimination. Vous amenez à your obligations. Vous as a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comments to those questions may incriminate you, as the chamber has just informed you of your rights and as a witness. As a witness, you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Do you understand the rights and obligations as a witness before the chamber? Witness, I have read the document mentioning about rights and obligations, and j'ai I agree to it. Portant sur ses droits et obligations et President, je les thank you, Mr. Witness. Have you ever provided merci. Interviews to the investigating judges? And if so, how many times did they take place? Et si oui, à combien de reprises? Yes, I oui. gave interviews to my j'ai recollection. I gave interviews three times, trois fois, and si mes souvenirs most sont of bons. Them took place in the provincial town of Odormianche, to my recollection, President. Dans la ville before d'Odormianche, you appear, le chef-lieu de province. Before this question. Chamber, avant have de you read and reviewed those interviews, written records of interview to refresh your memory? Witness, yes, I have read all the réponse, written oui, records of interviews that I provided to the interviewers. President, remis thank you very much to your recollection interrogé. And to your best knowledge. Question. À votre do the written souvenir, records of the interview you provided the previous time correspond or consistent rende with what you told the investigators three times, as you said? Aux enquêteurs à trois reprises. Answer, I d'après ce que vous avez read dit. The réponse. Information in those documents. J'ai lu ces documents. I agreed. J'adhère à leur contenu. And I observed that there are some points is cela étant overstated. Il y a and certaines exagérations. There are some points that I did not make a mention at the time because et of il y a my aussi des choses memory. Qui apparaissent. But I, in fact, indeed, have read those written records of interview. President, thank you very much. And as the chamber has informed already, there is a duty counsel during the proceedings, comme on vous l'a Mr. Dit, Membre Thier. Maître and Membre Thier is sitting close to the witness, so it is normal in these proceedings. L'avocat and this duty counsel may assist the witness normal, during the time that there are questions which may incriminate the witness. In accordance with the internal rule 91bis of the ECCC, de la règle 91bis du the floor intérieur, is first given to the co-prosecutors before other parties. The combined time for co-prosecutors and the co-lawyers et la for civil parties is one day. You have the floor first, Mr. Co-prosecutor. Monsieur le co-procureur. Merci, Monsieur thank le Président, you, Mr. President, bonjour, and bonjour good morning les juges, to your honors, à toutes les parties, good morning to all public, parties, good morning to the bonjour, public, Monsieur good morning, witness, PCW 900. Je vais I am going to spend a good part of questions. This day putting questions to you. Étant donné que c'est par given vidéoconférence, that we are speaking through video link, I will try to speak que slowly so that clairement, so that my questions are understandable.
Je voudrais tout d'abord vous poser une ou deux questions sur la période qui a précédé le 17 avril 1975, entre 1970 et 1975. Est-ce que vous pourriez nous dire très brièvement quand vous vous êtes engagé dans les forces révolutionnaires et qui était votre chef direct? Was your direct superior then? Answer. Réponse. From 1970 to 1975, de 1970 à 1975, I was a soldier and I became a soldier in 1971. Je suis soldat en 71. First, I was in regiment 39. Dans le 39e régiment. And the commander, my commander, mon commandant, in that regiment, de régiment. The commanders in this regiment mostly came from Hanoi. Venaient principalement they de were Hanoi. Cadres from Hanoi, and I could recall their names, Tajin and Tassan. Je me souviens de leur nom, and Tajin as of now, I do not know where they are living. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas so où ils sont aujourd'hui. Again, I became a soldier. Je le répète, between 1970 c'est to 1975. 1970 et 1975 que j'ai été soldat. Merci. Thank you. Ne vous inquiétez pas s'il y a un décalage entre le moment où vous répondez et que vous devez attendre. Je vous pose la question suivante. Ce que vous dites en Khmer est traduit d'abord Khmer en anglais et puis en français. Donc cela prend un petit peu de temps. English and then into French. So it might take a bit of time. Est-ce qu'à un moment donné, votre régiment 39 a été intégré à une division? Was your regiment 39 incorporated into a division? Le numéro de cette and division what was the division? Number of that division and who led that division? Answer. Réponse. Previously, regiment 39 was le 39e under the central. Initialement it did not belong to any centre. Other divisions. Il n'était pas rattaché à une autre division. And our headquarter was le quartier close général to Phnom Santuk se trouvait Mountain in près de la montagne Santuk, province de Kompong Thom. And at that time, we were engaged in Chen La II battle. C'était so les batailles de Chen La II. Were mobilized. Des soldats étaient mobilisés. To be stationed around the Kompong Thom province. Ils étaient stationnés dans la province de Kompong Thom. And we conducted the operation in locations close to Santuk Mountain in Kompong Thom province. Phnom Santuk dans la province de Kompong Thom. D'accord. Fine. Est-ce que par la suite vous avez fait partie du régiment 82? Did you join regiment 82? Et quel était votre rôle dans ce régiment? And what was your function in that regiment? Answer. Réponse. Later on, regiment par la suite, 39. Le 39e régiment was sent to be stationed in the northwest of Phnom Penh. First, we Phnom Penh. Were stationed in Panhal, west to stationnés à Panhal, Prasset Mountain. À l'ouest de la montagne Prasset. In relation to Regiment 82, pour ce qui est it du was under régiment, Division il 801. De la 801e division. But before Division 801, had its name. Mais in fact, that division 801 used that division number after the liberation. Employé que cette appellation après la libération. And during that period, the regiment 81 période, and 82 was under another division. Dépendait d'autres divisions, d'une autre division. That is division 14. Autrement dit, la 14e division.
D'accord. Qui était le chef de la division 14 avant qu'il ne devienne la division 801? Before it became division 801. Answer. Réponse. After we were stationed in Phnom Penh, west of Phnom Penh, San was the commander of division 14. Le commandant de la division 14. When we started to conduct to be engaged in battlefield 909, the commander in charge was So Sarun. He was from the south and he came to be part of division 14. And at the time, we were engaged in the battlefield 990 in the northwest of Bojentong. Dans le secteur 990, si l'interprète a bien compris, tout près de Bojentong. Merci. Thank you. Je vais passer maintenant à la période qui a suivi la prise de Phnom Penh en avril 1975. That followed the capture of Phnom Penh in April 1975. Now try to speed up a little bit. Quel était le rôle de votre division 14 The role of your division 14 after the capture of Phnom Penh. Et où était-elle postée? And where was this division posted? Answer. Réponse. After the liberation Après la libération of 17 April 1975, the division 14, la division 14 was posted and conducted operation to protect Phnom Penh. Elle menait des opérations from pour protéger Phnom Penh. The location between railway station to the west. Le lieu entre close la gare to et Bojentong, l'ouest, there is Khmuin or Praya. Bojentong, il y a une localité appelée Khmuin or Praya. And the headquarter of that division was division in Olympic Stadium. Était au stade olympique. Alors, deux questions à ce propos-là. Vous avez parlé de la gare. Questions. Est-ce que après la libération de Phnom Penh, after the liberation of vous avez participé ou vous avez été au courant du fait qu'il y avait des réunions did you attend, or were you du aware leadership of the des dirigeants qui se tenaient à la gare? Meetings of the leadership of the revolution who met at the railway station. I was not aware réponse. Of the location of that meeting. Du lieu où se tenaient ces réunions. Votre division, votre quartier général était basé au stade olympique. Est-ce que votre division était chargée également d'assurer la sécurité lors des grandes assemblées qui avaient lieu au stade olympique en 1975 during major rallies held at the Olympic Stadium in 1975? There was a réponse. Meeting held at the Olympic Stadium. Une réunion, however, at that olympique. Time I was not there. Toutefois, I je was pas là somewhere in Khmuin or Praya. J'étais à Khmuin or Praya. Since I was assigned by the divisional commander to erect a communication, a radio communication post. Pour tenir un poste de and radio-communication. I actually went to the stadium at night time to watch je a me au stade performance. Dans la nuit. But I pour was regarder not les performances, in. Les spectacles, mais je n'étais pas autorisé à m'y rendre. Pour autant, je voudrais lire ce que vous avez dit yet, dans you said le procès-verbal 2-3-9-7-3-4. À la réponse 2, vous avez dit, in answer number two, après 1975, after j'ai rencontré Soukmet
pendant son apparition dans un rassemblement au stade olympique. À l'époque, j'étais chargé du service de radiocommunication de la division 14, dirigé par Ta Sarun, qui a été transformé plus tard en division 801. Son Sen venait souvent à des réunions au bureau de Ta Sarun. Est-ce que vous avez donc participé à un rassemblement au stade olympique? Si oui, pouvez-vous nous donner des détails sur ce rassemblement? At the Olympic Stadium, and if so, can you give us any details on that rally? Well, I was at the office of Division 801, which was a new name for Division 14. Le nouveau nom. La nouvelle appellation de la division 14. I never attended a rally. Je n'avais jamais assisté à un rassemblement organisé au stade olympique. No, did I attend any meeting held within the vicinity of the Olympic Stadium? Organisé aux alentours du stade olympique. At that time, I was a radio operator. À l'époque, j'étais un opérateur de radiocommunication, de radio. And my role was to set up the chairs and the tables and the drinking water. Les tables, les chaises. But personally, I did not attend any meeting there. Although I knew there were representatives from other divisions to attend d'autres divisions y participaient à my role was to set up this logistical support for the meeting only. Dans le cadre des réunions, tout simplement. Est-ce que vous vous souvenez du moment où la division 14 a changé de nom pour devenir la division du centre appelée 801? À quelle période était-ce en 1975? And after, when was that? During the period after the 17th of April 1975. To my recollection, the redesignation of number through Division 801 was made before it was deployed to Ratanakiri province. And that could happen in around October or November. C'était vers octobre, novembre. At that time, the weather was pretty cool. À ce moment-là, le climat était assez frais. Quand vous parlez d'octobre ou de novembre 75, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez été envoyé au Ratanakiri avec la nouvelle division 801? To work in the new division? Ou bien